ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo maquillage. Donc ça va pas être ce tuto là, mais ça va être en fait un tutoriel où je vous montre un petit peu ma routine pour le teint que j'ai utilisé pendant l'hiver et que je continue à utiliser jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'il fasse encore chaud je pense pendant le printemps. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais moi c'est comme ça que j'aime mon teint. D'ailleurs je vous fais cette vidéo parce que vous m'avez énormément réclamé sur Snapchat et je vous l'avais promis et donc la voici. Donc j'utilise en fait des produits assez pas chers en fait, des produits abordables. Donc du coup avant en fait de faire mon teint ou avant de me maquiller, j'ai oublié de vous montrer mais j'applique ce primer spray de chez Skindinavia. Ça rafraîchit en plus, ça fait du bien et ça fait tenir le maquillage. Et j'applique aussi le finishing spray à la fin que je n'ai pas appliqué. Bien sûr, voilà. Ça va faire tenir en fait mon maquillage. Ces deux là ils sont trop bien. Et du coup pour le teint j'utilise un fond de teint qui vient de chez Yves Rocher. Il couvre pas énormément comparé au fond de teint de chez Too Faced que j'utilisais beaucoup. En fait j'avais eu beaucoup d'échantillons et du coup je l'ai utilisé et ça m'a fait ma routine. Je vais me l'acheter le Too Faced par contre, finalement je l'achèterai l'année prochaine. Parce que comme le printemps il va arriver là, ça ne me servira à rien de couvrir mes imperfections, même si il y aura un petit peu. Mais bon, si jamais vous voulez voir ce tuto là, ce sera avec grand plaisir que je vous le ferai. Je l'ai fait avec la Sweet Peach que je me suis procurée hier ou avant-hier. Enfin, depuis le temps que je l'attendais. Voilà voilà, donc si jamais vous voulez voir ma routine, et ben c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aimer la vidéo si jamais cette vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux également, c'est là où je vous montre tout en avant-première et je vous fais partager aussi mon quotidien. Enfin bref, c'est sans blabatage, je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Bon, c'est parti. Mon petit serre-tête, il est tout mignon. Bon, allez, c'est parti. Alors, je viens prendre mon fond de teint de chez Yves Rocher. C'est le 0 défaut. Fond de teint parfaite 24 heures. Il se présente comme ceci. Et je l'ai pris en teinte 300 beige, je crois. Alors, tout cet hiver, j'ai appliqué mon fond de teint avec les doigts. Avant, j'avais un Beauty Blender qui était hyper bien. C'était le faux, qui venait de chez Primark. Mais sauf qu'il a rendu l'âme. Je voulais en fait passer au Beauty Blender le vrai. J'attendais quand même moins 25%. C'est vrai que j'ai acheté avec ça ma palette Too Faced, mais j'ai oublié de le prendre. Donc je pense que je vais le prendre. Hein. Sinon, je l'applique avec mon pinceau. Mais c'est vrai que les doigts, ça peut être pas mal. De chez Monique, donc c'est un correcteur de peau parfaite, mais celui-ci il illumine très bien, mais par contre je trouve qu'il tient pas trop et il file dans les plis. Je l'utilise également en tant que base pour les paupières, par contre là ça tient. Alors je parais très clair, mais dans la réalité il n'y a que ce côté-là qui est blanc. Donc du coup, mon anti-cerne, je le tapote à chaque fois. Il ne faut jamais étirer la matière parce que ça ne sert à rien. Ça va marquer vos plis et ça va rentrer dans vos pores. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc du coup, il faut bien tapoter pour avoir un résultat uniforme et un résultat assez joli en fait. Avec le reste, je m'en mets sur le nez là, pour éliminer un petit peu ici et un petit peu ici avec le reste qui est sur ma main. Parfois, je mouche, à chaque fois, j'oublie de moucher avant de me maquiller et à chaque fois, c'est ah merde, il y a déjà évolué. C'était à l'étape du fond de teint qui est passé, du coup, ça veut rien dire ce que je veux dire. Je dis l'étape du fond de teint passé à chaque fois, mais il y a trop de produits dedans, du coup, j'ai oublié de prendre un tapis. Oh punaise, j'ai tout sali sur mon passage. Comme je suis à être claire, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette routine de merde? Du coup, je tombe avec ça. Voilà. Après avoir fait ça, je viens d'appliquer ma poudre qui vient de chez AliExpress. C'est la Ben Nye. Bon, c'est je pense une imitation de la poudre banana powder. Je prends mon gros pinceau. Voilà.
Je vais faire une sorte de baking, mais à ma façon. Alors, je fais un dépôt de matière. Ensuite, j'appuie parce que je sais que ça va voler de partout. J'en remets parce que du coup, il y en a un petit peu qui s'en vient. Eh ben oui, qui est sur ma poitrine. Je fais la même chose sur le front, au milieu. Merde. Sauf que là, en fait, je vais pas faire de baking. En fait, je le pose juste et je vais horizontalement. Et ne pas faire des bois circulaires tout simplement parce que sinon ça va rentrer dans les pores et ça va marquer mes pores. Alors là en fait je vais faire une sorte de technique qui s'appelle buffing. Enfin bref. Voilà. Ça vous donne un effet de peau un peu smooth, on va dire, tout doux. Je vais faire pareil sur l'autre moitié, enfin sur le reste du visage. Je vous ai dit le baking façon Camille tout simplement parce que je laisse pas poser longtemps et en plus je le mets un peu n'importe comment. Je vous ai dit que je faisais pas des mouvements circulaires. Effectivement, j'ai oublié. Et là du coup j'enlève tout ce qui reste comme poudre. Je mets ce qui est en surplus sur les sur la paupière, histoire de l'unifier. Je fais la même chose de l'autre côté. Jusqu'à ce que je finisse la poudre qui est dedans. Voilà, il n'y en a plus. Du coup, je viens passer à la suite, en fait, c'est l'étape la plus importante pour moi, pour mon teint. Alors, c'est un mélange entre du bronzing que je fais et le contouring. Alors, en fait, je viens prendre ce pinceau-là. C'est vrai qu'il n'est pas si biseauté que ça. Mais en fait, c'est son poil qui fait que j'arrive à bien estomper. Il est tout doux. Voilà, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. C'était dans un petit kit, je crois que c'était un truc chinois, mais pas AliExpress. Et je prends ma poudre qui vient de chez Makeup Revolution, dont je vous parle à chaque fois, c'est la teinte bronze. Donc, j'applique la matière. Et là, je vais sentir en fait. De toute façon, là, ça se voit, regardez. J'ai pas fait de contouring, ça se voit où je dois poser la matière. Là, hop, vous la voyez. Je sais pas si vous la voyez. Donc là, je suis en train de déposer la matière. Là, j'essaie d'estomper en même temps. Mais le plus important, c'est de la déposer. Et là, on va commencer à estomper. En faisant des mouvements circulaires vers le haut et non vers le bas. Parce que sinon, vous allez avoir un effet cadavérique. Là, c'est surtout pour avoir bonne mine. Donc, on va vers le haut. Tout en restant en fait sur le creux. Mais en étirant juste un petit peu. On va pas aller jusqu'à là. Allez, on continue d'estomper. Vous pouvez vous aider en faisant le poisson, comme ça. Mais par contre, il ne faut absolument pas dépasser votre pupille, alors enfin, votre œil. Donc ici, déjà, même là, moi je trouve que là c'est mieux. Ouais, au niveau des sourcils. Il y en a qui disent les pupilles, moi je dis sourcils. Désolée, je ne vous vois pas. Je regarde le retour parce que c'est ce qui fait office de mon miroir. Même si j'ai un miroir à gauche, je me fie plus au miroir de gauche. Mais là, pour vous expliquer, c'est mieux. Donc par rapport à la fin de mon sourcil, je me fie à ça. Et je continue d'estomper, d'estomper, d'estomper. Bon, pour moi, c'est bon. Je viens en reprendre et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, l'autre côté, comme j'ai une poitrine et que je fais avec ma main droite, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, à chaque fois, mon contouring de ce côté n'est jamais le même que l'autre. J'essaye de faire, mais regardez, déjà même quand je tourne le pinceau, c'est pas pareil. Là, c'est mieux. Et là, il se tord dans tous les sens. Voilà. Donc, ensuite, comme celui-ci, il est un petit peu comme le bronzer de chez Makeup Revolution, il est un peu marron, mais
dans les tons un peu orangés. Donc en fait c'est pas choquant ce que j'ai. Peut-être que c'est choquant à la caméra parce que ça accentue les traits. Là franchement c'est pas aussi marqué que ça dans la vraie vie, hein. Je viens prendre le bronzer Too Faced, donc en teinte médium. Donc je viens en appliquer juste là où vous voyez un petit peu de marron, histoire juste d'avoir une petite démarcation, une démarcation qui n'est pas visible bien sûr, mais qui est un petit peu dégradée. Donc j'en mets un peu et là, et avec le même pinceau, pas besoin d'en remettre. Parce qu'en fait, le bronzer de chez Too Faced, il est plutôt dans les tons froids en fait. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais plutôt dans les tons froids comparé au bronzer de chez Makeup Revolution qui est plutôt dans les tons chauds. Voilà. Donc, j'en ai fini pour tout ce qui est matière. Par contre, là, moi, ça, je suis pas trop satisfaite. Il descend trop, donc du coup, je vais reprendre mon pinceau. Et je vais, du coup, faire juste des mouvements d'aller-retour de haut en bas. Histoire de, avec la poudre qui reste dans le pinceau, ben, d'éclaircir le bas, en fait. Comme ça, si jamais j'ai débordé, et ben, on corrige, quoi. Ensuite, passons au blush. Alors, je viens appliquer cette... prendre cette palette de chez ELF. 4 fards à joues. C'est la teinte, je crois, dark. Donc, il y a deux teintes. Donc, c'est la plus foncée que je viens d'utiliser. Il y a deux palettes, en fait, pour les peaux claires et pour les peaux foncées. Bref, si jamais vous voulez mon avis dessus, n'hésitez pas à aller regarder dans mon blog. En fait, c'est easybeautystyle.wordpress.fr. Je vous mets les liens en barre d'infos, mais aussi ici. Pour aller voir, en fait, mon avis. Je fais une revue, en fait, sur beaucoup de produits ELF que j'avais reçus. Et je vous donne mon avis sur ces produits là. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de mettre celui là. Il est un petit peu brique, je sais pas comment le décrire. C'est un marron rouge. Je sais pas comment vous dire. Comme ils sont hyper pigmentés, j'en mets un petit peu juste là. On a l'impression que c'est... Il y en a au taquet, mais c'est pas vrai. J'ai oublié de vous dire, mais j'utilise également le pinceau de chez ELF que j'avais acheté il y a longtemps, le powder brush. J'estompe parce que là... Ensuite, passons à mon étape préférée, c'est le highlighter. Alors en fait, tout cet hiver, automne hiver plutôt, j'ai utilisé cet highlighter. Enfin, ils disent que c'est un bronzer de chez NYX. Donc c'est le Tango with Bronzing Powder. Il fait un petit peu blush. Moi j'utilisais toujours en fait, surtout, la partie là. En fait c'est un highlighter, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Et par contre, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai acheté... d'autres highlighters donc, que j'utilise en ce moment. Je fais un mix entre deux highlighters. Ça me donne, enfin c'est bizarre. Alors il y a celui-ci qui vient de chez Action, c'est le Max & More. Finalement je l'aime. J'avais dit dans mon haul que c'était bizarre, qu'il était trop clair ou je sais plus quoi. Mais en fait non, c'est pas vrai. Après l'avoir utilisé, donc j'ai vu ce qu'il en était. Et cette palette, la Strobe of Genius, donc de chez NYX, que je voulais depuis longtemps et je me la suis enfin achetée pendant les soldes. Elle était soldée à moins 30%. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette couleur. Alors, c'est une couleur assez froide. J'aime beaucoup, en fait, mettre des highlighters froids. Donc, je mets cette couleur et après, je viendrai mettre celle-ci. Cette couleur, je préfère l'appliquer avec un pinceau fard à paupières. Du coup, voilà. Je vais pas rester comme ça. Je viens prendre ce pinceau et je tourne comme ça. Avec le surplus, en fait, je viens en mettre juste au-dessus de mon sourcil pour donner un petit peu de lumière. Là, c'est pas bon ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de faire des mouvements circulaires et surtout pas en plus si je mets de l'highlighter parce que ça va marquer mes pores. Punaise, j'oublie. Je vous fais un petit tuto, mais j'oublie. Et en même temps, je reproduis les mêmes erreurs. Donc, je viens d'appliquer. Du coup, l'highlighter qui vient de chez Max & More, je pense que c'est une dupe des Bobbi Brown. Je pense que c'est une dupe des Bobbi Brown qui sont sortis. Moi, je viens prendre des deux couleurs du haut, en fait, et je les mixe. Ensuite, je viens reprendre la Strobe of Genius, et je reprends exactement la même teinte, et je viens l'appliquer sur mon nez, le bout de mon nez. Hop, ça donne un côté mignon. Et je remonte un petit. J'en mets également au niveau de l'arc de cupidon et au contour de mes lèvres. J'en mets un petit peu ici. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur le strobing. J'adore faire cette technique. Je vous la mettrai dans le i qui est juste ici. Je vous montre toutes les étapes que je fais. Là, je vous ai fait grosso modo les étapes. Voilà!